Et salut à tous. C'est C'est Link et Terracid. Hugo Toussol et Norman, et on se retrouve dans un nouveau podcast sur les chaussettes. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, on met une chaussette et le bout qu'on est censé avoir sur le talon, il est sur le côté et c'est super désagréable. Ouais, alors est-ce que c'est parce qu'on prend la mauvaise taille ou est-ce parce qu'elles sont vieilles et détendues ou Et si vous aussi vous pensez dans les commentaires que les deux chaussettes qu'on a, on peut les mettre à droite ou à gauche, alors n'hésitez pas à mettre votre meilleur like. Voilà. C'est une intro. J'ai pas d'idée, il est tard, je suis fatigué, je fais ce que je veux. Tu fais ce que je veux d'abord. Ce que je veux, Alors, je vais enfin. partager le jeu maintenant. Si Partage-moi tout. j'y arrive. S'il te plaît, je. Pas drôle. Y a un mec très premier degré dans Et le le mec a dit, pas salon. drôle. Il a juste marqué pas drôle. Bah, il a jugé quoi. Il a jugé direct. Allez, va faire tes devoirs. Va à te coucher, tu te lèves ton nez dans le matin. Faire tes devoirs, il y a la dictée demain. Bon. Ah bah non, t'es en vacances. Ah non, c'est bon, t'es en vacances. Bah, va te faire Va te coucher quand même parce que enculer. t'as le permis de minuit seulement, Ah, t'en je as pour cet été. t'entends. Je veux pas t'entendre. Ah bah ferme ta gueule là, ah bah j'entends aussi. Ferme ta boîte à camembert de Nvidia Eh, là. ouvre la boîte à camembert. Arrête! Vas-y, t'en pars, serre. Eh Mais j'aimerais putain! bien couper mon micro, mais dans ce cas-là, Et laisse-moi tranquille. pourquoi Ah ça? voilà. Pourquoi ça passe à l'infini là? C'est bon. Mon jeu il est possédé! Regarde! Attends. Ah! Je sais pas, t'as mis ton truc en pause là. Ah, il y a un truc. Attends. Comment faire? T'as quitté? Non, j'appuie sur Alt. Putain! Oh bon. Attends, laisse-moi aller dans l'option. Si ça fait toujours. C'est pareil! Bah, quitte et relance, c'est que Oh! t'as dû enfoncer une touche au même moment où t'as fait un retour Windows. Non mais Et le mec, jeu, il est resté attends. keblo. J'ai quitté le jeu. Et je l'entends toujours! Ah, ça c'est délicat ça. Ah, c'est pas ta manette? Ah bah T'as là, pas une manette qui est posée de façon à ce que le stick il soit en train d'être. Non, j'ai juste une manette devant moi avec laquelle je vais jouer Ouais, quoi. non, mais moi ça m'est déjà arrivé sur des jeux, mais c'est quand je fais un retour Windows, genre je fais un truc, une manip, et quand je reviens, bah paf, ça enfonce une touche mais qui n'est pas enfoncée. Ouais. Quitte mon Non truc mais là. Nvidia. Mais. Quoi, tu me vois encore là le Mais. truc? Non, il y a marqué que je suis en pause, il n'y a pas marqué que t'as quitté. Bah moi je sais pas parce que là je vois plus le jeu et je le charge dans mes processus parce que. Ok, bon, bah je quitte le truc Nvidia alors. Tu me renverras une Ouais. invitation. Je sais pas où il est. Qu'est-ce qu'il fait? Comment? Qu'est-ce que. Mais où est donc Cordica? Hey! Tous ceux qui sont là! Ça dit quoi pour le match PSGOM? On est là ou quoi? Ouais, alors vous en pensez quoi? Moi je vous Aïe donnerai mon aïe aïe! avis après, On mais fera un pour bilan du match en fin de live? un. Ouais. Moi je trouve que ce live il est pas très charro. Hein. T'as aucune idée de ce que je suis en train de Bah raconter. tu dis Charo. Voilà, c'est la seule référence que j'ai. Mbappé, il devrait le faire rentrer sur le terrain plus souvent. Hein. Il est où Attends, comment il s'appelle le mec qui fait le polémique là? C'est plutôt le PSG du Qatar avec Neymar. Ouais, Neymar, franchement il fait le taf, hein. Aïe aïe C'est quoi aïe. ça? Ouais, ils sont sérieux. Comment il s'appelle là le mec là Deschamps, il veut pas le faire rentrer dans l'équipe à chaque fois. Quoi il s'appelle? Benzema! Hey Benzema! Hey, Ouais. s'il était là, ça ferait la diff! Ouais. Je cherche le jeu, c'est impossible de le trouver. Bien joué. Comment Allez, il pourrait on annule. s'appeler? Évidemment. Alors, Mais c'est là. quoi le nom de l'éditeur? Bethesda? Bethesda, non. Alors T, mais sans le The, avec un Wouah, truc qui est franchement genre c'est. T, Franchement E. c'est. Ouf. Hey, là, on est en live. Bon, je m'en fous, vous êtes 4000, je vous le préviens quand même. Coca-Cola, là, ils nous ont renominés pour les récompenses. C'est qu'on a gagné l'année dernière, là. Allez, votez pour nous, comme ça on gagne une deuxième fois et on fout le seum aux mêmes gens que t'es dans notre catégorie. Ah ouais, s'il vous plaît, si on gagne deux fois d'affilée, ils vont avoir trop le seum. Si on gagne deux fois d'affilée, c'est vraiment genre. Déjà, c'est drôle. Et c'est triste pour les autres.
C'est quoi l'adresse? Pour Coca-Cola Stories, un truc comme ça. C'est Coca-Cola. Attends. Gaming duo de l'année. C'est catégorie duo de l'année. Hop, je le mets dans le chat. On vote paf, et on n'en parle plus, paf, hein, paf, parce que paf, comme ça. Paf. Voilà. Ah voilà. Attends, je vais voter pour nous. Ouais, moi aussi. Attends. Attends, c'est. Alors, contre nous, il y a Cyprien Gaming, Chips and Noy. Je sais pas si on dit Noy ou Noix. Chips and Noy. Ok. Mais il n'y avait pas de X, alors je me suis dit on dit pas Noix. Bruce et Braque et Toric et Marmotte. Allez, on mange tout ça et on y va. Alors même si on les aime tous. Ouais, c'est pas ça. Le site il est pas cassé là? J'arrive pas à aller dessus. Non, je suis là. Ah, c'est bon. D'ailleurs, j'entre mon email pour voter pour moi, ça ne marche pas. Ouais. Si, c'est bon. Vous avez déjà voté pour cette catégorie aujourd'hui? Ah putain, je suis un escroc, je savais pas que j'avais déjà voté. Ah, t'as déjà voté quoi. Attends, moi, ça a marché, c'est bon. Attends, j'essaie avec une autre adresse email. Oh! Si t'as plusieurs adresses email, ça marche. En fait, t'es même pas obligé de confirmer ton adresse mail, tu peux prendre l'adresse email de ta mère ou n'importe qui d'autre. Ou... Mais ça se trouve même n'importe quelle adresse email en vrai. Ouais, regarde, attends, regarde. Par exemple, si je marque attends. Jean 37, si Jean 38, en besoin d'Adou. Plus 1. Mec, ça marche! Regarde, Jean 38. J'ai revoté avec un. Oh putain, j'ai revoté avec mec, une autre adresse. Attends, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé une liste. Tu tapes Jean, par exemple, Jean01, c'est quoi, @orange.fr. Ouais. Hop, ça va marcher parce qu'il y a forcément un Jean01 qui existe. Hop, ensuite tu passes à Jean02, Jean03. Hop, oh, t'arrêtes pas, Jean04. Eh, mais vas-y, mais. C'est horrible. Le site est trop douté. Eh, si vous votez à balle pour nous avec des Jean02. Si on gagne, on dira sur scène. Eh, hey, on a triché. Non, attendez, chacun trouve un prénom à lui. Moi j'ai trouvé Jean et faites un prénom avec 0 quelque chose. Norbert01, Norbert02. Non, mais c'est sûrement filtré. Bah franchement sinon ça serait bizarre de me dire merci d'avoir voté. Eh, je m'en bats les couilles. Eh, moi Jean, je vais faire tous les gens là. Je fais tous les gens et c'est parti. Ah, Jean08, déjà voté avec Jean08. Ah bah tu vois. Bon allez, attends, on joue là. Moi je veux avant tout aller me coucher bientôt là. Donc j'ai envie de jouer. Bah oui, mais tu vas pas lancer le jeu, moi j'attends. Ouais. Et c'est l'Inquétarasite qui remporte avec, on ne sait pas comment, mais 1 500 000 voix. C'est impressionnant, plus que leur nombre d'abonnés sur YouTube. Vraiment, ils créent de l'engouement. Hein. Ça fait beaucoup d'avertissements, tout ça. Moi, cet écran-là, d'ailleurs, je croyais que c'était un écran de bug. Tu pourras couper ton micro. Tu peux couper. Tu peux couper. Attends. Ah non, j'ai pas le son. Enfin, j'ai le son sur mes enceintes. Attends, c'est quoi la touche Alt-F1? Alt-F2. Ah, Alt-F2. Hop, micro désactivé. Ensuite, son dans les oreilles. Cyber-Terracide, ouais, t'as eu une voix de robot, c'était marrant. Rejoindre la partie. Attends, non. Remets-moi en... plein écran. Oh putain, je suis yambe là. Rejoindre la partie, vas-y. C'est bon? Chargé parti. Ah, non, bah nique ta mère, ok. Tu veux pas rater? Alors, pour la... Wow. Non, tu... pas touche à... touche à ton cul. Tu veux pas te détendre? Active, active. Mais tu joues au clavier ou à la souris? Non, je vais jouer là au clavier finalement. Voilà. Ah. Pardon. Eh hey. Même si je joue à la souris... Bon alors, je vous explique le topo. On y a déjà joué, la première fois, on n'était pas très concentré quand on y a joué parce qu'on avait très peur, c'est compliqué, vous verrez ça mercredi. J'ai déjà joué chez moi, sur PS4. Et là c'est la troisième fois que j'y joue, au début du jeu, je commence à connaître par cœur. Donc, du coup tu vas pouvoir nous expliquer parce que moi j'avais rien compris. Alors, sa maison est en train de brûler, hein, sa fille est à l'intérieur. J'ai pas compris non plus parce que je crois qu'il faut jouer au 1, mais là on va arriver devant notre maison en feu, notre fille est dedans. Faut aller la chercher non? Voilà. Regarde. Ah bah on y va alors. C'est pas possible. Oh non, Jessica. Non, c'est pas un nom de petite fille, Jessica. Oh, il faut y aller du coup là. Dépêche-toi, fonce. Fonce, t'as plus le temps hein. Pas la peine de se trafer de gauche à droite, personne va te tirer dessus au sniper. Wow, tu vois, j'ai eu raison. Je veux défoncer cette porte, je sais pas comment je vais faire. Elle est fermée, faut passer à droite. Paf. Paf. Oh le faible. Ok, on va passer à droite. À droite, tu sais direct quoi, tu sais direct. Ça me saoule, je connais tout par cœur. Vas-y, speedrun.
Je veux du nouveau. Alors je me dépêche. Faut... Tu vas prendre la chaise et casser la vitre. Tu t'es en train de tout... Putain, je prends zéro plaisir, merde. Je ne te crée aucun plaisir. Vite, dépêche-toi de traverser la fumée, faut monter l'escalier, c'est à l'étage. Va à droite. Attends, d'abord... Il fallait aller à droite. Ah, tu voulais passer carrément la cinématique du... Oui, oui, je te dis, va à droite. Attends, là, je peux pas courir. Oui. Et du coup, ça fait pas peur, là, t'es sûr? Je sais pas. Vous savez, là, ça brûle. Les poignées, on sait que les poignées brûlent. Ah, bien joué. Voilà. Hop, monte à l'étage. De toute façon, j'ai rien compris. Je sais pas si ce qu'on voit là, c'est un flashback ou un truc qui se passe dans notre tête et on est fou. Mais tu verras, la scène est bizarre. D'ailleurs, je pense qu'elle est un peu inspirée de la scène de Shutter Island où il revoit sa femme dans ses souvenirs et elle brûle et devient de la cendre. Oh, ah oui. Oh. Et bah, tu vas voir quand tu vas à la scène, ça m'a fait penser à ça. Lily. Ah bah, les cons, elle est partie. On a fait tout ça pour rien. Lily. Ah, oh, putain, on peut passer à la cinématique, c'est important de savoir ça. Ça. Ouais, mais moi je veux la voir, attends. Oui, bon. Il était pas là pour moi, papa. Et tu vois, c'est même intonation, regarde, tu sais, le truc très froid en c'est mode. Tu m'as pas sauvé. Elle va brûler, pourtant, regarde, là elle est toute mignonne. Oh, elle va brûler. Et attention. Je baisse ta mère en enfer. Bah, t'as un mauvais souvenir, elle est très gentille. Attends, bouge pas. Oh. Non! Tu ne m'as pas sauvé! Bah si, j'ai essayé! Bah alors! J'ai couru de la vie! Putain, j'ai quand même essayé! Bon alors. Ils vont venir, ils vont te dire on a besoin de vous, votre fille est coincée dans un genre d'animus à Assassin's Creed, allez dedans! C'est ça, bien! Alors, franchement, c'est compliqué ce que tu viens de me dire, mais je suis, hein, d'accord. Votre fille, l'esprit de votre fille, elle est coincée dans un truc qu'on a créé, voilà, on va vous brancher comme dans l'animus, vous allez rentrer dedans, c'est un monde qui n'existe pas, mais qui est plutôt réel, et blablabla. J'ai rien compris, mais si les gens ont joué, ils peuvent confirmer que ce que je dis, c'est à peu près ça. Eh, attends, on est dans quoi, là? Dans un fauteuil roulant, poussé par quelqu'un. Mais par qui? Mec, c'est ça ce truc qui stresse. Où est Lily? Patience. Nous vous la donnerons pour une somme de 10 000 dollars. Mais arrêtez le spoil, les gars! Je suis obligé, puisque je veux rusher cette séquence. Ça fait 3 fois que je la fais, c'est aucune surprise. Et en plus, on l'a déjà fait nous-mêmes. D'ailleurs, ça, on l'avait fait, ça? Pourquoi j'ai aucun souvenir de ça? Non, on l'a pas fait, ça. Ah ouais, on a commencé genre... Ouais, on nous a fait commencer un peu plus loin. On était plus loin dans le jeu. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille? Eh ben, c'est très simple, ta fille est coincée dans ce système-là, je te l'ai déjà dit. Voilà, là regarde, t'es arrivé dans la fameuse machine où c'est un peu un rêve. D'accord. Oh, je peux bouger ma caméra. Je suis le caméraman. C'est vrai ça, tu caramelines là. C'est bizarre. C'est dur à dire. Papa. D'après Soji Ishimin et Trentaga. Mais on sait déjà que tu vas nous faire chier et nous dire « Oh, viens pas me sauver !» Eh oui, tu m'as pas sauvé. Viens pas me sauver, bon on sait, hein, on avait compris. Papa, secours ! Oui, je sais. Ouais, voilà. Ouais, grâce à cette machine, vous pourrez revivre le rêve que vous faites toutes les nuits. C'est super. Ah, c'est quand votre fille meurt ? Pas de chance. Notre petite fille est partie. Non, je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Voilà. Non, on ne mettra pas la VO. Vous savez pourquoi? Parce que si Karim Desbaches met pas la VO, alors nous non plus. Et ouais, les gars. C'est loin. Ah. Ouais. Heureusement qu'il y a la lumière qui nous fait téléporter plus près. Heureusement qu'il est venu nous sauver. Oh, un beau bureau. Oh, ça, c'est du Maison du Monde, ça. Ça, c'est des meubles à 800 balles, ça. Du beau bois d'ébène. Pourquoi je pense à un homme noir quand tu dis bois d'ébène? Je sais pas, mais moi aussi il doit y avoir un truc. Il y a un truc avec ébène, je crois. Ouais. Couleur ébène. C'est un truc vachement sexualisé. C'est pas, tu penses à la catégorie porno ébony? Voilà, peut-être. Blackhead. Oui, là, on est dans le. Alors là, c'est un peu le QG. Tu verras. Quand je suis dans mon QG, moi j'aime bien défoncer les portes. Voilà. Ici il se passe rien, bon, y a un chat noir, tu crois que c'est un screamer? Pas du tout. Il est mignon le chat. Ça c'est une diapositive. Il est trop mignon le chat. Il a les yeux rouges quand même. Un projecteur.
D'où sort ce souvenir? De mon école primaire. Sa voix est hyper chelou quand même. Ouais. Sans vouloir rien. Vouloir critiquer directement sa voix. Qu'est-ce que c'est que ça? Blablabla. Hop là. On se regarde. Oh là. Bon bah. Putain, mais quel c'est, connard. C'est fait, j'ai double cliqué ça. Bang, bang, bang. Ouais. Incroyable. Alors. Alors moi j'ai mis du temps à trouver, alors attends, on regarde. Oh bah vas-y. Sur le tableau, il faut dire. Il faut faire des liens entre des trucs avec des cordes et dire ah ouais, évidemment. En plus, c'est vrai, faut aller sur le tableau, à un moment donné, il y a les noms des gens. Je suis un fin inspecteur. Ici, alors, y'a rien. Ah, ça c'est. T'as vu, c'était beau, hein. Ah, tu te souviens? C'était bien. C'était quand ouais. On était heureux. Voilà, hop, c'est fini. Ah, c'est tout. Oui. Alors, c'est pas ça, c'est peut-être ici. En fait, il y a une meuf qui est censée nous appeler. Et le miroir aussi, il est censé être un moyen de se téléporter. D'accord. Mais. À vouloir aller plus vite que la musique. Ah oui, non, faut aller dans le bureau. Détective c'est, sergent oui, c'est... Sébastien Castellanos. T'as vu, c'est beau, hein, Castellanos. Castellanos. Il y aurait une belle ville de charme en Espagne. Il y a des photos, machin. Et ben, ça, c'est les gens qu'on doit trouver. Et je sais pas si tu te souviens, mais lui, là, O'Neill. Oui. Tu te souviens? C'est le photographe. Ben, c'est lui. Non, rien à voir. Non, d'accord. C'était bien. Le mec qui tirait sur les zombies, il s'est réfugié. Et il nous a agressé. Il y avait une micro-agression dans son labo. Tu sais pas? Micro-agression. Ok. Il est rentré, nous a dit bonjour monsieur alors qu'on s'identifie en tant que non-genré. Donc. Pardon, j'arrête ces blagues là. Est-ce qu'il constitue une micro-agression? C'est vrai. Il devrait pouvoir se débrouiller seul. Oui, bon, en bref, on s'en fout là de tout le monde là. En tout cas, voilà, on doit les trouver. Allez, donc blablabla. Bla, 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 bla. Le miroir qui va faire son petit effet. Ça le surprend jamais. Un miroir. Mais non, mais je te dis, il est dans un monde. Y'a pas de un monstre. Et c'est reparti. Oui, c'est reparti, bah vas-y. De l'autre côté du miroir. Laisse-le dire ses phrases classe avec sa voix classe, putain. C'est vrai qu'il a une belle voix grave. Non, moi elle m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Peut-être parce que je suis jaloux. Ah, j'en sais rien. Voilà, moi je dis ça. Moi j'aime bien juste me réveiller le matin et parler parce que j'ai l'impression d'être un vrai homme. On préfère tous la voix qu'on a le matin. Dommage que je l'ai pas. Des fois, quand t'es un peu malade, tu vois, quand t'es un peu malade, t'as une voix genre hyper grave posée. Genre, ouais, tu vois, genre, je me dis, waouh, je suis si sexy. Ouais, trop envie d'avoir un cancer de la gorge pour parler toujours aux gens comme ça. La tête de ma poupée est cassée. Eh ben, j'en ai rien à foutre, tu l'as réparé, je suis en partie. On s'en fout. Tu vas mourir, donc rien à foutre. Oh. Comment aller au miroir s'il n'y a plus de plancher? T'as enfin quelqu'un qui soulève des vraies questions. Bah, n'est-ce pas? C'est le bon endroit. Ah, mais là, tu te souviens? Oui. Voilà, et on avait galéré comme des gros cons parce qu'on n'était pas attentifs, parce qu'on avait peur. On devait vraiment pas être attentif. Parce que c'était complètement évident, mec. Hein. Tu verras quand tu vas le refaire. Oh, j'avoue. Évident. Attends, tu vas voir. Mais genre, ça, on a galéré à le trouver, je crois. Rends-toi compte à quel point on avait peur. Tu vois, alors hop, et voilà. Mais non, putain, oh là, ça doit être ridicule dans la et vidéo. Et nous, on avait putain. Tellement peur qu'on était là, genre. Alors, faut aller par où C'est ouf comment ils ont réussi à nous baiser psychologiquement parce qu'on a tourné partout avant de trouver cette porte, quoi. Vous verrez ça mercredi. Incroyable. Ah, la flemme de faire toutes les portes. Je sais qu'il y a des trucs, mais j'ai pas envie de les ouvrir. Donc là vous faites les malins, vous dites ouais ça fait pas peur. Sauf que nous quand on l'a fait en vrai ça faisait peur. Oui, ça fait très peur. Là on fait des mecs sécurisés et tout. Mais parce c'est qu'on a déjà fait tout ça. L'équipe de sauvetage. Baker. Vas-y mets ton doigt dedans vas-y. Eh dans la tête oh, non touche là, pas le bras dans la tête. Touche, touille la tête. Putain. La touillette. Merde. Ah c'est des bouts de crâne explosés à droite. Oh, oh non, de cervelle en fait. Oh, c'est dégoûtant. Okay. Examiner, prendre une photo. Hop. Ah, mais il prend un malin plaisir à étudier la scène, quoi. C'est dégueulasse. Mettre sur Instagram, hop. Ah ouais, non. Il y avait des filtres et tout, c'était dégueulasse. Alors, où est-ce que. Pourquoi ça bug des fois mon jeu? Enfin, quand j'essaie de. Ça me. Court tout droit. Je croyais que t'allais te laver les mains.
qui a fait ça a bien pris son pied. Oh là, il y a cette voix du matin, putain. Ouais, putain, mais il est vraiment super sexy, ça va se installer un arse. Je borde. C'est malin, j'ai une érection. Oh, mince. Bon, il y avait juste à ça à prendre. C'était... Ah, oh. J'ai un peu oublié. Si. Je viens de là. Ouais, on était meilleurs là-bas. Ouais, ouais, ça c'est fait. Ah, ah. Qu'est-ce oh, que... oh, 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 oh là là. Oh, qu'est-ce oui. que c'est que ça. Ah, mais oui. Il y a une planche secrète. Ah oui, il y a un. Ça, je sais même pas comment je l'avais trouvé. Mais mec, faut bouger là. Pourquoi je l'ai pas fait ça moi dans le jeu hein. Quand j'ai joué. Comment ça. C'est un truc bonus. Bah, j'ai pas fait ça hein. Moi, nous on l'avait fait là-bas. J'en sais rien. Mais c'est toi qui jouais. Non, je te pose pas la question, je te le dis, on l'avait fait. Ah. Mais c'est bizarre. Mec, moi j'ai pas fait ça. Sérieusement. Bah, non, j'ai joué sur PS4 il y a quoi. Il y a 4 jours, j'ai pas fait ça. Bah, peut-être que sur PC il y a une version plus compliquée. Ouais, no offense les consoleux, hein, mais. Les consoleux. C'est une belle propriété. Hein. Ah, téléphone. Ah, et puis on doit tout faire nous-mêmes. Donc allons-y. Oui, j'ai votre fille. C'était pour dire, on voudrait un petit déjeuner à 10h dans la chambre demain matin. Oui, on voudrait 2 croissants, sinon on nique votre fille. Allez, on va. Y a des trucs qui font peur ici. Bon, on peut y aller, histoire de. Oh, voilà, ça va plaire aux gens. J'ai peur, montre-moi. Ah, c'est pas vrai. Ici. C'était ah. Où. Ah putain, c'est pas là. Il y a une pièce à un moment donné où il y a un couloir et il y a un énorme œil qui nous regarde. Putain, c'est pas là. Bon, nique sa race. J'aurais bien aimé avoir peur, Damien. T'auras peur, t'inquiète. Spécial, hein. Je suppose que c'est fermé. Oh, j'ai plus de souffle. Oh, oh putain, merde, j'ai eu vraiment peur, c'est je fais chier. Bon, je me souviens qu'il y avait ça quoi, mais j'ai zappé que t'étais. Je pensais pas que j'aurais peur parce que t'étais en mode ultra confiant et tout, mais moi. Ouais non. ouais mais voilà, putain, je me souviens qu'il y avait un truc là, mais. Merde, putain, fais chier. C'est ce qu'il y a d'autres endroits qui se ressemblent à ça. j'étais pas prêt, genre. Fais chier. Ah oui, il y a le mec qui va tuer. Qui va tuer au couteau quelqu'un d'autre. Je crois. Pas sympa. Ouais, c'est bienvenue bon. Dans cette représentation spéciale. Où, pour de faux, je vais tuer quelqu'un avec un couteau. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Hop là, le ketchup. Ouh ah, ceci est faux, hein, mesdames, messieurs, ne paniquez pas. Regardez. Ah, mais c'est le photographe. C'était quoi ça? C'était un tableau qui est tombé. Yaouh! J'ai pas vu les touches. C'était espace pour rester à couvert. Et le reste, je ne sais pas. Et au pire, nique sa merde, c'est quoi? Tu vas pas lui mettre un petit doigt dans le petit avant de partir, monsieur de la scène? Un doigt dans le pétou! J'ai pas le temps. Ah, bon, c'est l'art contemporain. Tu t'arrêtes parce que t'as peur? Ouais. C'est pas moi qui me suis arrêté, si? Mais alors si c'est pas toi, c'est qui? Ah, je sens que c'est là que j'avais peur, regarde, attends. Bon là, je t'avais prévenu, donc il y a pas son petit effet, mais... Il y avait quelque chose d'autre qui faisait peur. Ah! Oh. Attention, une chaise! Ouais, attends, bouge pas. Ça se trouve, c'est là que j'avais peur. Ah non, ouvre là. Si. Ouais, j'avais peur ici, je crois. Là, vas-y, je te laisse jouer. Là? Ouais. D'accord. Et ben mec, et c'est là que je me suis rendu compte en jouant après tout seul que tout ce qu'il faisait pendant qu'on faisait l'event, oui, c'était stylé parce que ça c'était exactement comme dans le jeu. Et tu verras même l'infirmière. C'est vrai? Ouais, exactement pareil, elle était là en fait. Putain. Et du coup c'était hyper bien pensé mais on n'avait pas les références. D'accord, bah sinon, bah voilà, a posteriori on peut dire que c'était cool. Pourquoi j'avais eu peur ici? Je suis peut-être gouré en fait. Pour l'instant j'ai pas peur pour l'instant. Non bah j'ai dû me gourer. Attends, je vérifie quand même mais... J'ai pas peur. J'ai peur ou pas? Là. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Non mais j'ai... Et là, j'ai pas peur. Je sais pas pourquoi. Attendez, j'avais eu peur dans cette autre peut-être pièce. Non pas par là. Il y a un trou.
Oh. T'es prévenu. Allez, à l'étage. Allez, speedrun-moi ça là. Et bah, tu vois, regarde pareil, cadavre pendu et tout, par les yeux. Ouais. Mais du coup, c'était génial, mais putain, j'aurais encore plus kiffé si j'avais eu les références. Putain, on était pas attentifs, hein, on a eu trop peur. Attendez. Si, parce que souviens-toi, quand on est rentré dans la pièce avec les cadavres pendus, on s'est dit, à tous les coups, ils vont nous faire peur parce que ça ressemble exactement là où on est. Ouais, ça va, j'ai juste aucun souvenir de ce moment. S'il vous plaît. Il est parti. T'as un point de côté, comme ah toi. Ouais, grave, putain. Oh, une représentation spéciale. C'est magnifique. Et le Cercle du Soleil est ravi de vous présenter son même nouveau si numéro. Même ce sont des innocents. Bordel. Il n'y a pas à dire, il fait ça très bien. Quand on rentre... sur la piste. La Renaissance. C'est très beau. C'est de... Ah, j'ai Et là, réussi, si tu regardes bien, il y a un nichon. Ah. Tu le vois? Refais-moi voir ça. Regarde. À droite, le cadavre de droite en bas. Ah oui, il y a un nichon qui sort. Il y a un nichon. Il y a le nichon droit qui sort. Alors voilà. Régalez-vous. Vous pouvez vous régaler chez vous, regardez la VOD, vous faites un screen, vous zoomez. Ouais, voilà. Après écran, on n'est jamais à l'abri d'une petite pignette. En tout cas, il y a un ascenseur normalement qui marche avec un bouton qui a une surbrillance blanche. D'accord, donc pas ici. Pas ici. Plutôt de l'autre côté. Calmez-vous les murs. Il y a un bruit genre derrière. J'aime pas quand les... Ah, ça doit être ça. Voilà. Des vieux bruits de merde. Hein. Des rototo. Oui, c'est juste quelqu'un qui a roté, mais bon. Qui... Arrêtez de roter. Tout le monde descend. Oh non, je me souviens de ces passages. Non. Non, j'aime. Ah, oh, là, je me souviens de ça. Ouais, c'est bas dans le. Il va te prendre en photo, ici. Ouais, c'est bien bas. Bien sûr, à la dame, la multidame. Et celle-ci, je l'aimais pas. Oui, la salle se resserre. Va vers l'appareil photo. C'est bas dans. Arrêtez de vous resserrer maintenant, s'il vous plaît. Bonsoir. Et souriez, vous êtes filmé. Coucou. Paparazzi de merde. 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 Il m'a pas fait signer pour mon droit à l'image. Merde. Merde, je vais partir au prud'homme. Salopard. Ah. Hop, la photo collée contre le miroir. Scream. Merde, attention. Attention, tiens. Derrière moi, quelque chose? Ah non, rien, ça va. Ah, oh, je vais croire quelque chose. Mais en fait. Ouah! Elle était vraiment là! Oh putain! Mais dans le miroir, vous étiez très jolie! Ouais, c'est à côté de la vie. Non, faut pas faire comme ça. C'est... Voilà. Ouais, mais oui, regarde, ils s'attendent à ce que je fasse ça. Mais souviens-toi que t'as des points de côté très facilement. C'est vrai. Mais tu sais, pour l'instant, je me prends pas trop la tête. Y'a un truc derrière moi comme ça, je cours. Je fais pas gaffe, j'ai de l'adrénaline, ça me suffit. Vous m'aurez jamais. Je cherche ma fille. Ah. L'échelle, mur de droite. Bon. Je suis pris au piège. Oh là là. Tu veux pas faire un speedrun dessus? Non, mais pourquoi pas. Je suis agacé de connaître. Pourquoi pas. Pidou, pidou, pidou. Bonne technique. Pidou, pidou, pida. C'est quoi cette horreur? Damien, ce serait vraiment pas de chance que quelque chose perce la grille en dessous de moi. Oh non, un rat, fais attention à ton entrecouille. Oh, pas le rat. Le rat, il a rien fait. Par contre, le rat, il avait rien demandé. Oui, par contre, c'est pas sympa, voilà. Dites non à la maltraitance animale. Vous arrêtez de faire du tambour autour, hein. Vous voulez du suspense? Pouh. Et... Je l'entends plus.
m'emmerdes, laisse-moi tranquille. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on choisit, un putain de paparazzi ou c'est autre chose? Paparazzi qui n'est pas content de lui envoyer un coup d'homme. Ah, en plus on est tombé dessus quoi, ah c'est dégueulasse. C'est comme dans les films, tu sais, genre Moyen-Âge, tout ça. Y'a toujours un mec qui se prend une flèche, genre devant lui, et qui tombe en avant. Mais c'est horrible, parce que c'est-à-dire qu'il se la renfonce encore plus. Ah non, mais c'est dégueulasse, je déteste ça. Je suis sûr qu'il est même pas blessé. Ça, c'était qu'un rêve. Du coup, c'est hyper surnaturel. Non, il est vraiment blessé. Il va retirer sa main et il aura rien du tout. Ah, il est vraiment blessé. Merde. Je suis trop positif et optimiste. Ouais. Toi, il y avait un tuto sur comment... Ah, eh oh, attends, eh oh. Redonne-toi de la vie, là, malheureux. C'est quoi l'inventaire? Ça doit être tab, un truc comme ça. Tab, ça va faire un retour Windows vénère. Attends, attends. Prends un café, tu peux pas. C'est... Tab. Oh. Pourquoi je peux pas cliquer? Moi, je peux. Ok, bah démerde-toi. Je sais plus, il y a un... Enfin, sur PS4, c'est plus facile, il y a un tableau de craft et tout. Bah, je connais pas et tout. Bah ouais. Bon, c'est pas ça. C'est pas celle-là. T'avais appuyé sur quoi? Et c'est quoi, cet endroit? T'es censé avoir du soin, là. Enfin, du moins, t'en faire. Ah. Voilà, ça, faut que tu te le plantes dans le bras. Ah oui, ok. C'est le bouton du milieu. Bah utilise-le s'il te plaît. Utiliser, t'appuies sur E en le sélectionnant. Hop. Ouais, bon. T'as raison. Ah bah quand même. Oh là là. Ouais bah c'est pas la peine de rentrer chez les gens comme ça, putain. Ce qu'il est impoli, c'est dingue. C'est incroyable ça. Les portes qui se referment toutes seules, hein. Allez hop, voilà ce qu'on leur fait aux portes qui se referment toutes seules. Mais celle-ci est gentille, alors il l'ouvre bien. Quoi, le flingue il a fait un bruit, genre. Il s'est retourné, genre. Hm? C'est toi qui as parlé. C'est peut-être le bon endroit. Allez, c'est pas le zoo de Vincennes là, on s'active là un peu. On arrête de regarder les plantes et les. Oui, mais je suis brûlé. Dans quoi je me suis embarqué? Dans la merde. Dans une grosse merde. Sébastien, où étiez-vous? On vous avait perdu. Je sais pas. Mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Oh non, ce passage là avec les zombies et tout. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. D'abord, il y a la dame folle qui fait manger des haricots verts aux gosses qu'on veut pas. Oh oui, ça c'est trop bien. Où est-ce que vous m'avez embarqué? C'est quoi tout ça? Putain, ça en fait du loot! Attends, mec, t'as une version. Ils t'ont donné une version bonus ou quoi? Ah, j'avais un deuxième code dans la boîte. Ça oh, s'appelle. Pute! Ouais, ben. Ça s'appelle le pack dernière chance. Non, mais attends, mais j'y crois pas, fais voir ce que vas-y, t'as là. Vas-y, t'en joue, vas-y. Rouvre ton. Non, mais rouvre ton inventaire. Je sais pas comment c'est quoi la touche. Ouais, t'avais plein de trucs là, c'est quoi ce bordel? T'avais une arme, genre elle était hyper chelou, je la veux. Tu parles de mon pistolet, c'est pas sympa. R, attends, R, changer le type. Oh putain, ça. Mais d'où t'as ça, toi? Oh, c'est chiant, là. Attends. Touche pas. Vas-y, fais avec la pistolet, la molette. Clique sur la molette, si tu veux. Ouais, mais ça marche pas, moi, en fait, du coup. Agitate, on doit pas prendre en compte mon molette 3. Du coup, change juste le petit arme, voilà. Voilà, hop. Wouah, putain, je l'ai pas, ça, moi. Putain, mais si, mais je l'ai le code, mais je l'ai pas mis parce que je pensais que c'était des trucs genre. Trucs que je m'en foutais. Ah ah! Le pack dernière chance. Toi, t'as un fin rat d'égout, toi. Direct, t'as eu un code qui t'a rentré. Ah ouais, j'ai vu un code, j'ai pas hésité. Hein. Eh, j'ai votre commande. Calendrier. J'ai votre commande, madame. Eh, c'est Uber Eats. Vous êtes Sylvie? Ouais, y'a pas votre nom sur l'interphone. C'est vous? C'est tellement le truc que tous les Uber disent. Alors qu'il y est.
Moi, il y a... mais ils le disent, ils le savent pas. Enfin, je soupçonne qu'ils savent pas lire en fait. Y a quelqu'un ? Moi, il y a un nom sur ma sonnette, c'est tellement pas moi, on peut pas deviner que c'est moi. Tiens, je l'ai laissé pour que les gens regardent. Je voulais passer, mais je me suis dit. Ouais, on vous le passe pas celui-là parce qu'il est sympa ce passage. Finis ton assiette. Dois manger. Voilà ce qui va se passer si vous mangez pas vos légumes. Ah, ça mange salement, hein. Allez. Mange. Quand on vous dit de finir votre assiette, vous finissez votre assiette. C'est, voilà. Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est immonde. C'est vraiment immonde. Brigade d'assistance aux mineurs. Bonjour. On m'a dit qu'il se passait des trucs. Oups. C'est quoi ça ? Vous avez fait tomber ma bière ? Y'a pas un problème avec les sons ? Ah mais complètement, il est hyper décalé mec. C'est complètement décalé. Il y a juste tous les sons c'est complètement décalé. C'est que maintenant que tu le remarques. Bah non, je l'ai remarqué avant mais là c'est juste à... Ah ouais. Ah ouais d'accord. Là pour le coup là c'est très très décalé. Hop, du coup ça va faire des trucs drôles des fois. Ah merde. Je m'en occupe. Vas-y. Si tu te souviens où. Papa, ça marche pas les flics. Moi ça marche. Oui, champion. Y'a pas de soucis. À l'étage, y'a un truc à récupérer, je crois. J'y vais. Par contre, dépêche-toi. Ah, mais non, y'a pas un délire comme quoi ça repousse. Et qu'il fallait retirer une deuxième fois. Bon, là, je vais tirer. De belles balles, mais ça doit repousser, oui. Non, mais il me semble que. Non, là, elle est morte définitivement, je crois. Y'a du liquide vert sur le sol. Ouais, c'est bon, prends-le. Oui. C'est de la bave de crapaud, c'est pour rendre amoureuse n'importe quelle fille. c'est très bon. Ok. Kidman. Kidman. Vous avez du nouveau ? Ouais, j'ai appris que c'était vraiment un nouveau Beacon ici. Les habitants. Bon, on vous montre quand même si vous étiez choqué, il n'est pas mort, regardez. Regardez, il va bien ? Il va très bien. J'en sais rien. Mais ça veut dire. Alors, il faudra juste mettre un Hansa Place sur le crâne. Parce que là. Il a juste la bouche pleine, du coup, il parle pas. Pas sûr que Mercurochrome puisse faire quelque chose. Alors surtout, moi j'ai appris un truc dans le jeu, reste stealth quand t'as des zombies. D'accord, c'est beaucoup plus simple, c'est mieux. Parce que les munitions c'est un survival, donc c'est tendu, et s'ils sont après toi, et c'est pas même pas faire du corps à corps. Casse les cartons par contre, tu peux casser les cartons pour récupérer des munitions, trucs comme ça. Ok. C'est important ça. Oh, le coup de couteau est savamment appliqué. Il est tranchant et net. Waouh. Non, celle-là se casse pas. Pas celle-ci quand même. On peut prendre les voitures et rusher assez vite sur les zombies. C'est faux. C'est bien joué. Tu as su voir mon arnaque. C'est pas simple pour moi, je dois filtrer tout ce qu'il dit tout le temps. Vous savez, vous rigolez, mais moi, c'est un enfer. Il fait 10 ans que je le connais, il n'y arrive toujours pas. Ah là, c'est O'Neill. Tu me diras à quel moment je commence à être stealth, c'est tout. Bientôt, il y aura une cinématique là d'abord. On va passer d'ailleurs très rapidement. Hop là, oui, là, tout le monde tire. Bref, faut que t'ailles ici. En stealth. Ok. Ils veulent vraiment que je grimpe ? Alors, non, tu grimpes pas. Ces saloperies sont partout. Et normalement, t'as un indicateur de zombies en haut. Pourquoi il est pas ? Fais gaffe, t'as une lanterne allumée, je crois. Je ne sais pas comment l'éteindre. Ah, oui, l'indicateur il est là. Ok, je l'ai éteint. C'est comme sur Daisy, tu vois. Surveille ton indicateur en haut. Ah, ça, tu peux le prendre. Voilà, et ça détourne leur attention. D'accord. Genre vas-y là tu peux te mettre derrière une voiture et le faire assez loin. Hop. Voilà, bien loin, et t'attends un peu qu'ils soient vraiment concentrés là-dessus. Hop là. Bah ils sont en alerte, tu vois, en mode ils recherchent quelqu'un. Et toi ça te laisse le temps d'aller de l'autre côté.
Et tu peux one shot si tu les prends en stealth, par derrière. Ok. Ouais. Genre lui, je vais m'en occuper comme ça. Exactement. Et l'autre à la porte, pareil. Là. Satisfying things. Mm. Tu peux récupérer un truc sur lui normalement. Voilà, ce truc là. C'est pratique. Mm. I'm a simple man. Allez, si l'équipe green, allez, take it. Tu vois bien que ça répond pas. Je vous ai dit que j'ai pas besoin de temps sur interphone. Tout ça pour une livraison. En parlant de livraison, là, qu'est-ce que c'est de tentant. De commander maintenant là. Ouais. Un bon McDo là. Encore. Ah ouais, t'as raison, j'ai oublié qu'on avait mangé un peu. On a mangé un tout à l'heure. J'ai oublié, putain. Putain. Le mec a nos limites. Non, mec, ça fait deux semaines que j'en ai pas mangé. C'était ça, après. Ah. Ah, d'accord. Le mec, je l'ai zappé. Il était tellement délicieux et bref que. Ouais, il était bien, ok. Nickel, ça c'est pratique. Ça c'est cool, ça. Vas-y, va checker Oni la l'autre tartiflette qui reste cool. Tartiflette. La tartiflette chauve. Oui, hop là. Alors, vous ne faites pas partie de mon. J'essaie de. Non. Non, mais ça c'est vrai, mais ça c'est faux. Et je ne suis pas d'accord là-dessus. Et vous ? Ah, d'accord. Du coup, on peut s'arranger comme ça. Vous me donnez ça et on s'arrange. Voilà, nous sommes tous les deux bien arrangés. On dirait une petite fille, pas vrai ? Silence. Non, c'est pas Lily, donc je m'en bats les couilles. Désolé, je ne connais pas cette voix. Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver. J'adore les petites filles, mais ça commence à me déranger. D'ailleurs, vous feriez. Non, non, comme vous voulez. Nous allons synchroniser. Il a juste dit non, non, il a dit comme vous voulez. Non, non, comme vous voulez. Oh. Ça fait des déjà. C'est du genre. Mais comment ça? C'est normal. On a des. C'est quoi? Si c'est moi. Imagine, en vrai, tu peux faire ça. Et c'est. TG, 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 TG. Cafetière. Oh. Un kawa? Il y a trop de trucs là. Moi j'ai jamais pu crafter des trucs. Toi ça se trouve avec ton bonus à la con là de code, tu peux faire des trucs. Moi je pense pas. Allez, on va fabriquer. Il a trop fait genre. Pas mal cette petite animation, genre je comprends tout. Ouais, genre il était avec ton son doigt genre. Alors, ouais. Moi je veux. Bon écoutez, c'est pas compliqué, je veux. Ah oui, des balles de pistolet, je vais en faire un peu. Oui, ça par contre c'est important. Bon, si tu veux en faire. Je vais peut-être en garder un petit peu parce que. Oui, garde-en un petit peu si tu veux. Peut-être améliorer une arme maintenant. Ouais, voilà, fabrication plutôt. Ah, non, ça oui, capacité de munitions, puissance de feu, cadence de tir. Plus de dégâts. C'est bon. C'est bon ça. C'est bon ça, c'est bien, oui. Mais c'est incroyable, t'as trop de points. Ils t'ont fumé le jeu. Moi j'ai. Putain, faut que je mette le code absolument. Donc ça n'a pas marché ce que j'ai fait. Ok. Non, faut maintenir comme ça, voilà. Ah non, c'est bon, non, j'ai rien dit. Putain, ça m'a pris toutes mes pièces détachées. Wow. Ouais. Ça, du coup, t'aurais pas dû faire ça. Tout ça, clairement. C'est cher. Non. T'as plus rien. Hop. Et on s'en va. Ah, t'as pas fait la fabrication? Si, j'ai fabriqué des balles. Ah, c'était ça, ouais. Fais les toilettes? Ah non. Il y avait pas d'autres trucs à récupérer? J'ai l'impression d'être passé très rapidement à côté de tout. Ah, les pièces détachées. Oh ouais, et la porte là. Parce que figure-toi que c'est là qu'il faut aller. Ah bah tu vois. Et tu vas arriver à peu près où j'en suis. Où j'en étais du moins. J'ai vu. Oh, des protes. Mm. Boom Dame pour pousser à la salle. Pour lever les petites. T'es sûr que c'était là? Caresser quelques meules. Non, du coup ça devait être l'autre côté. Un homme en colère. Oh! Ah, oh, l'infirmière, nice! Tu vois? Putain! Et elle est là pour te booster tes capacités. Non, 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 j'ai fait la même connerie. Oh la merde, hein! J'ai
Ouais, et là, ouais. écoute la musique. I'm a simple man. L'infirmière, tu vas. Oui, tu bah vas je viens de l'entendre. Je viens de l'entendre et c'est la musique de l'infirmière. C'est la musique qu'on avait quand on a descendu l'escalier. Alors vous imaginez, nous on était IRL avec cette musique, hein, voilà. Et c'était pas rassurant du tout. Non, du tout. Mais ça sert à rien de revenir ici, non? Ah si. Voilà. Mais dans le truc, elle était blonde et là, elle est brune. Donc, oh, très bien vu. Moi, je comprends pas. Heureusement qu'ils nous ont pas fait asseoir dans un truc comme ça, par contre. Oh non. Bah ouais, j'étais sur un siège comme ça, mais il y avait le drap dessus. Bah ils nous ont menotté en fait, pareil. Oui. Ça avait l'air bien, votre OP. Trop sympa, quoi. Oh ouais, c'était badant de ouf. C'était badant de ouf, mec. C'était génial. En revoyant le truc, je me dis c'était dingue. C'était génial comme truc. Ah, lui ressemble grave. Bah oui, c'est pour ça, tu vois. Le costume, il était dingue. Elle lui ressemble de ouf. On avait pas la ref. Vous, qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais vous. Elle me manque. Mais moi, du coup, je me souviens juste du. C'est pas par là. Un visage familier. Ah ouais, putain, maman, elle nous engueule. Pas par là. Pas par là. Ok. Vous avez l'air fatigué. Elle avait la même voix, elle a fait pas par là. Vous remettre d'aplomb si vous voulez. Oh. Remettez-moi d'aplomb. Vous savez, comme avant. Rendez-moi dur. Rendez-moi dur. Oh bah remettez-moi d'aplomb. Gel vert. Bon. Vas-y. Ah d'accord. Bah c'est cool alors. T'as bien un peu, t'as assez de gel vert pour faire quelque chose quand même. Non mais quoi, tout coup de puissant. Non mais ça. Putain merde. Faut tuer 1000 zombies. Non bah d'accord. Bon. Ah ouais, bah t'as pas assez. T'as qu'à bien aller te faire foutre l'infirmière. Balance ton lac. Pourquoi ça t'a proposé de rentrer ici? Ah oui, pour retourner dans la matrice. Oh, pardon. Ça m'a ébloui, j'ai décidé d'arrêter. Alors ton émetteur radio là, ta radio, c'est comme un détecteur de métaux. Ok. D'accord. Sauf que c'est à la place des métaux, c'est des voix. Trouver le signal dont il m'a parlé. Voilà, tu vois le balayement qu'il fait, ben voilà. Ok. Vas-y le calice. Voilà. Maintenant ça te donne la direction de l'objectif. D'un objectif vers lequel aller. Donc par là. J'espère que c'est vrai. Ouais, parce que. Je sais pas comment on appelle ce genre de jeu. Je pensais que c'était un jeu linéaire, tu vois. Ouais. Outlast, etc. Visiblement, non. Y'a un petit monde ouvert là, c'est ça? C'est un peu un monde ouvert, ouais. Avec des multiquêtes. Mais j'ai pas su trouver la principale. Un open world! Voilà. Mais. Mais je dois avertir les autres! Un c'est trou! Côté Silent Hill. Ah ouais, de ouf. Même vachement. Vachement Silent Hill. Ouais, on a les références, ouais. Ouais, donc open world, mais pas trop quoi. Closed open world. Si ça continue de s'effondrer comme ça, il y aura plus grand chose de la ville à fouiller. Il faut que ah oui, en effet, les gens doivent paniquer un petit peu de ce côté-là. Ceux qui sont là-haut doivent vraiment paniquer. Hein. Maman, quand t'as ton voir. Meuble télé qui est à 90 degrés, tu te poses des questions. Oupidoupidoupidoup. D'accord, donc toi tu n'as pas du tout fait ce que j'ai fait, mais tu as raison, tu explores, du coup je découvre de nouvelles choses. Oh bah t'es bien fait. Regarde, ça valait le coup. Putain, c'est délicieux ça. C'est toi qui as fait ça, gros cochon. Vilain cochon. Qu'est-ce qu'il nous dit que tu ne feras plus? Prouve-le. Ah oh merde, ça recommence. Est-ce que ça va? Merde. Ça recommence. Ça me tous mes défaits. Ouais, carrément. Oh non, ça nique tout. Ah, ça nique tout. Je
Genre là pour l'instant il souffre pas trop. Ça va, tu fais juste oh. Du coup il continue de crier alors qu'il est mort. Et là il est retombé. S'il se relève d'un coup mais qu'on n'a pas le bruit de surprise, ça va être ridicule. Ça va être très drôle. Bah. Ah bah c'était synchro. C'était hyper synchro là par contre. Ah. Ouf. Ouh. Putain c'est quoi cette arme? Ah oh, bah je vais sortir de là moi. Ah. Bah non, j'ai même pas le temps de me défendre. J'ai dit tu bats la tête. Oh putain mec, oh. Ça, mais... je sais pas ce que t'as comme arme mais elle est vénère. Putain ça fait du bien hein. Chope le liquide vert hein. Oh ça fait vraiment du bien. Ah oui, c'est vrai que c'est très important. Et y'en a même un peu là-bas j'imagine. Ouais. Putain c'est... on dirait un Desert Eagle tellement c'est puissant. Elle fait du bien en tout cas. Lui il a rien. J'aimerais récupérer... quelque chose. Ah. Oh. On dirait que le padre s'est pas laissé faire. Tu touches quoi là? Je sais pas, il a mis la main dans le vide et il a parlé. Je peux passer par là? Ouais, je suppose. Allez. Ah, t'as des nouvelles fréquences. Voix d'enfant. Tu ferais bien d'aller vers la voix d'enfant, puisqu'il y a plus de chances pour que ce soit ta fille. Enfin, ta fille, notre fille. Je vais aller voir tous les enfants de la ville, moi, tu vois. Moi, je vais les faire parler. Statuette, statuette, tout le monde dit la statuette. Shoot. Casser la statue. Casser sa statuette. Tu sais, moi je préfère revenir pour ne vexer personne. Fais leur confiance. C'est très important. Si une statuette a cassé, c'est qu'il faut la casser. Je la casse comment? Alors, prends cette. Oh! Petite clé. Oh, bah merci. Clé de. Dans la zone de soins. Ok. Bah merci beaucoup. Allez, derrière toi, il y a une plante verte à prendre. Ah ouais. C'est des amélies de jonquille. Ça c'est très bien chez soi. En été c'est délicieux. Ou pour cuisiner ouais. Casse la caisse. Attention, y'en a une qui t'a vu, elle va venir vers toi. Si t'as ta lumière allumée et que tu fais du bruit. C'est quoi la touche de la lumière? V. Gros V à toi. Un gros V à toi et à tous les motards de Navarre. Attends, n'y va pas. Je veux la voir furtivement. Ouais c'est pour ça. Retourne-toi. Y'a pas une petite bouteille là? Non c'est bon, ouais. Pas dans la rue là. Bah je suis désolé mais j'ai pas le choix, on va faire ça dans la rue cette fois-ci. Cette fois-ci on va faire ça. Ah une agression. Putain mec. Non vas-y je suis en ma gueule. Vas-y. C'est dans ton arc. Ah non je vais devenir Récupère ça. Je vais devenir un hashtag ça. Casse les caisses. Ah t'as vraiment des réflexes. Hashtag avec de l'humour. Impossible. T'as vraiment un réflexe de gamer. Il y a des trucs par terre. Oups. Où ça? Par terre, il y a des trucs. Où ça? Ça drop des trucs par terre, non? Ça fait des trucs briller. Pas vraiment. Bah non, on va laisser tomber alors. On va casser les autres caisses. Bah je laisse tomber alors. Du coup, non mais elle loot pas toutes, ça veut dire. Ok. Ah oh non. Oh mec t'as eu trop de chats qui se pètent ouais, la gueule. Tellement. Elle a cru et j'ai pété la gueule, t'as eu tellement de chats. Elle faisait du jardinage là, je sais pas d'où elle sort. Mais prends le foutu liquide vert dont tu as besoin. Le signal radio il va où? Il vient où? Il vient où? Il va où? Il est où? Ok il est là. Oh, je peux pas rentrer par là. Non je pense pas que ce soit par là. Ouais il faut faire le tour. Oh, c'est dommage, ça c'était quelqu'un qui allait bien. Oh, ok, il va falloir trouver. T'as pas une bouteille? Bouteille de Jack là? Si. Ouais. Ah, c'est sur le 4. Pas sûr qu'ils aient entendu. Faut plus que ce soit dans leur zone, à mon avis, derrière toi. J'en ai plus. T'en as plus? Non. Faut reprendre ton flingue dans ta main au cas où.
Ça va être tendu, mec. Hein. Là, ok, ça explose. C'est obligé. On donc, tente. Si tu recules. Bah, en fait, il faudrait que t'aies un truc pour les attirer, ce serait génial. Une bouteille. Il y a moyen d'en trouver une. Hein. Cherche un peu. Il y a moyen de trouver. Ah, tu vois, par exemple, là. C'est quoi ça? Ouais, c'est alors, des balles. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, c'est toujours ça de prix. Il y a une caisse en bas, peut-être que tu peux trouver encore un truc. Tu parles de... c'est des caisses qui se cassent pas. Ouais. Plante verte. Rentre dans la maison, tu peux? Ah. Oh, ce train il est maudit, j'étais dedans et il y a des zombies dedans et c'est horrible. Ça fait trop peur et je suis mort là-dedans et c'est là que j'ai arrêté de jouer. Tu me donnes pas du tout envie d'y aller, tu essayais bah, de me faire... pas du coup en fait. Ouais. Non, n'y va pas. Tu me conseilles de pas y aller, c'est ça? Ouais, n'y va pas. Il y a bien de zombies, c'est une vraie galère. Ah, une petite bouteille quoi. Oh, ça loot en masse mais... Bah au pire... Ouais non, ce serait dommage quoi. Une pièce idéale. Oh! Stylé. C'est très bien ça. Elle est où ma hache? Ah, je l'ai comme ça maintenant. Ok. Cool. Et peut-être que tu peux casser des grosses caisses du coup maintenant avec ça? Teste avec la grosse caisse? Là, ça se trouve non. Ouais, voilà. Ah, bah ça aurait été super. Ouais, mais non. Ah, dans le bus, il y a peut-être un truc dans le bus. Mmh. Bon, bah ça se prend ça. Ça fait du bien. Attention à ce qu'il me voit. Ah, je veux descendre ici. Quand même, ça donne vachement envie de tirer dans ce tonneau rouge. Hein. Ah, d'accord. Putain, pourquoi il est en burst? Ah, bah, ils sont cons, t'as de la chance. Bon, par contre, ça n'a pas explosé du tout. Non. Comme quoi, tous les tonneaux rouges dans les jeux vidéo n'explosent pas. Parce que, ils vont venir de là où vient le bruit, hein. Donc ils vont s'avancer petit à petit vers toi. J'espère juste que là-bas il y en a pas qui arrivent parce que je les entends là. Bah, avance-toi jusqu'au bout, putain. Bon, je tente le tout pour le tout. Hein. Ouais, mais. Il va falloir courir au pire. Hein. Et mettre des grandes balles. Oh là il m'aurait, là, mec, il m'aurait pas grave vu. Non, pour l'instant, personne. Là, y'en a un qui te voit. Ouais. Ok, là, t'as intérêt de speeder ta race. Je ne sais pas par où tu vas aller, mais. Ça sent que t'as pas beaucoup d'endurance. J'ai aucune pression. Mais dans la tête, dans la tête. Non, non, t'as pas le temps. Tu vois que j'ai le temps. Ah, non, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qui se passe? T'as le temps de faire niquer en même temps. Alors, effectivement, tu avais peut-être raison sur ce coup-là. J'avais pas le temps. Voilà. De toute évidence, il y avait pas le temps là. Mais j'ai moins peur des zombies que toi parce que tu as eu apparemment un traumatisme par rapport à ces zombies. Alors bon. T'as une bouteille là du coup. Yep. Non. Non, dans l'intérieur dans l'intérieur de la zone, mais vers la gauche, sans que tu puisses contourner. T'inquiète, fais-le maintenant. Eh, hey, y'a une sacrée bouteille là! Il te voit pas. Il t'entend et il sait qu'il y a quelqu'un, mais il te voit pas. Oh putain. Ah, mais ne m'attrape pas, j'ai rien fait! Moi, je serais toi, je mettrais des grands coups de balle de. Ouais, je sais pas. Et encore. Oh. Oh là. Non. Il est pas mort encore, je crois. Ah. Oh, le fils de pute. C'est sérieux. Ils sont là. Comme un cheveu sur la soupe. Ah la grosse merde. Oh, j'ai jamais été aussi déçu de ma vie. Alors là, je suis complètement abasourdi. Ah là, je fuis, vraiment.
Alors là, je suis conquis, hein. Ah, retourne-toi. Retourne-toi, après je t'embête plus. Tu m'ennuies. Hop là. Ah, il est résistant quand même, hein. Tiens, il a des balles, lui. Tu peux monter sur la voiture. Tu peux même leur tirer dessus d'en haut du bus. Mais attention parce qu'ils montent aussi. Ouais bah, ils commencent à me faire chier, hein. C'est des sacrés zombies, hein. C'est des infectés assez malins. Alors, on récupère le liquide vert, parce que le liquide vert fait désir. Liquide vert. Et du coup, ce qui est dans le bus, il y a encore du liquide vert, techniquement. Liquide vert des balles, qui passe. À gauche, ouais. Tu te souviens de cette référence ou pas? Liquide vert qui passe. Liquide vert qui passe. Putain. Wow. Pas mal, hein. Oh, H-Mini, Resident Evil. Je rate mes balles. Ah mais putain, ça tire en burst, du coup j'ai plus du tout assez de... Bah change le mode de ton arme. Attention, t'as plus d'endurance sur ton doigt pour tirer. Je sais pas le changer. Oh bordel de merde, j'ai plus assez de balles. J'ai décidé de t'attraper quand même. Bon, au moins t'as une hache. Ah oui. Pour pouvoir donner des grands coups. La fameuse. Alors. Récupère tout ce qui est sur eux. Il y en a qui te cherchent. Ouais. Je sais pas, je vais essayer de pas me le mettre à dos. Ce qui m'ennuie. Et donne-toi de la vie, hein. Très pas mal. Reprends ça au pire. Ce sera sur deux coups par coup. Bon. Voilà. Voilà, on est mieux. Bon bah dis donc. Allez hop, et vas-y que je monte sur le camion. Parcours. Et Marcel en route. Il s'est pété la gueule. Bon, je vais jouer sur la carte de... Mais ça va faire genre là du bruit quand tu veux l'activer, non? Non, regarde. Oh putain. Merde. Toi. Il faut que je rétablisse le courant des portes. Peut-être que ce la caméra elle est bourrée. Source d'alimentation. Oh, un oiseau, oh, une porte. Il faut rétablir le courant. Et le courant il est par là, j'imagine. Ah, y'a un mec qui t'a entendu. Et il va venir te voir. Il y a une bouteille là-bas. Ça m'a les couilles. Donnez un grand coup de hache. J'ai pas envie, il me fait peur. Oh. Arrête. Non, le bras. Arrête de te trifouiller dans tous les sens. T'as vu, il a mis le doigt comme ça, genre s'il vous plaît. Je suis perdu. Peut-être pas cette chance la prochaine fois. Oh, ça va être le bordel cette zone. Ok. Wesh, wesh. Oh. Oh là, si t'avais une grenade. Non, non, mais je vois pas du tout. Mais mec, tu as gaspillé la dernière seringue que t'avais. Je veux pas me soigner, quoi. Ouh, très lentement. Alors comment je vais en avoir deux? Voilà, bah tu suis avec la hache, c'est le plus important déjà. M'en voulez pas, je prends votre ami et moi je vous fais, je m'occupe de vous après. Oh, ah bah, oh bah ça a bien marché. Putain. Je suis d'accord avec ça. Il avait peu le temps de s'énerver. C'était mon ami et moi je voulais vous dire que je suis pas d'accord et... J'espère que ça a marché. Oh, tu m'étonnes que ça a marché. Oh là là, j'ai une masse de stuff. T'as beaucoup de gel vert, mec, hein. Ça va s'améliorer tout ça, hein. Aïe. Ça c'est grave, hein. Par contre la quête de la petite fille on a complètement oublié. On est parti ailleurs, non? J'ai été très attiré par ce hangar. Ce hangar. Ok. Je reconnais, c'est Dylan, le quarterback de l'équipe. Il est trop beau. Ah, il a donné du gel. Mais alors, il était infecté. Fixation béton.
Ouais, du coup, c'est hyper louche. Oh là, attends, tu gèles partout. Position étrange. Ouais, ça va faire super mal au dos. À gauche, il y a un truc sur la looté sur la caisse là, qui a l'air d'être original. D'accord, renverser le baril. D'accord. On peut pas le casser ça. Ça, on se doit pouvoir se casser ça. Allez, salut. J'étais persuadé que ça se casse. Ça, ça faisait grave envie de le casser, ça donnait grand envie de le casser. Je vais pousser cette caisse, non? Pour passer au-dessus. Ah bah non, toujours. Bah, je vais peut-être ouvrir cette porte en fait. Bah non plus. Oh bordel de merde. Il y a forcément un truc. Pourquoi ils veulent vraiment que tu pousses le baril? Ah! Faut mettre le feu! T'as pas récupéré un truc tout à l'heure qui mettait le feu, genre un fumigène ou quoi? Je sais pas, t'as récupéré quoi? On a cru qu'on a frisé, donc du coup j'ai pas vu ce que t'as pris sur la caisse. Ah bah pas grand chose, hein, rien bah, de... Bah tire, au pire tire sur le sol avec le pétrole, ça va peut-être mettre feu au truc. Ça fonctionne ça dans la vie? Bah techniquement oui, ça fait des étincelles. Ah, ouais. Ça fonctionne. Est-ce que c'est pas juste gratuit ce qu'on vient de faire, genre... Non, y'a du pétrole au sol, mec, renverser le baril, y'a un truc qui va se passer là. Bah, figure-toi que j'étais persuadé que ça aurait fait quelque chose. Du coup, maintenant, non, je viens de comprendre. Ça fait que si t'as des barils rouges comme tout à l'heure, tu peux brûler des zombies. En créant un piège. Bon bah, c'est super, au moins... Par contre, ça t'a pas aidé, hein. Mais attends, y'a une lampe torche, tiens, dirigée vers cet endroit. Votre session a pris fin. Ah, ça fait plaisir. Ça fait zizir, ça, déjà. Ouais, ça fait zizir. Bon. Je ne sais pas trop, là. Il y a une lampe dirigée vers cet endroit-là. On dirait vraiment quand même quelque chose qui est fait exprès. Coupe ton beau micro. Ton beau micro? Coupe ton beau micro, ouais. Attends. Vas-y. Pourquoi il y a une lampe là? Ah non, c'est un casque. Oui, mais c'est vraiment montré de façon à ce que genre regardez par là quoi. Bah non. Ouais. Ça se casse pas ça. Bon bah je c'est crois. C'est pas normal. Il y a une lampe qui est dirigée vers cet endroit là. Et le hangar il servirait pas juste à rien. Apparemment c'est pour plus tard dans le jeu. Ah c'est pas maintenant? Faudra le dire ça. Comment on peut le savoir? Bah faut prendre ta radio et suivre la voix de la gamine. Bon bah on y va. Je crois qu'on s'est éloigné de la pauvre petite. On est à 250 mètres. Pauvre petite dame. Oh merde. Donnez-moi votre gel. Non, tu arrêtes. Oh bordel de merde. Mais tu fais chier! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis téléporté. J'ai pas compris. C'est bon, t'as pas vu, t'inquiète. Va te chercher. Eh, tu pourras pas me trapper, je suis derrière le grillage! Oh putain, y'a pas d'endurance là. Endurance! Non, je suis derrière le grillage. Eh ouais, tu peux rien faire, meuf. Ouais, meuf! Ich! Ich! Ah! Alors, on fait des cochonneries dans le garage? Ah non. Ah, vas-y, il met un truc ce garage du coup. Ouais. Salut tout le monde. D'accord, tu n'as pas du tout interagi avec la touche qu'il fallait. Donc, s'il vous plaît. Oh, c'était limite. Ça t'a de ouf, mec, t'as fait de faire découper. C'était vachement limite. Oh, on dirait le truc qu'on a fait cet après-midi. Plein de morceaux de métal. Ouais. Des clous, c'est, tellement ça, c'est mec, vraiment tellement ce qu'on a fait cet après-midi. Attends, t'as récupéré tellement de trucs, déjà ça tu le prends, oh, des que, fusibles, tu vas, que tu vas pas rester sans rien faire. Ouais, on a qu'à faire ça. Bon déjà des balles, c'est vrai qu'il m'en faut. On peut pas améliorer des... Alors,
T'as que 90 pièces détachées? Bon, ça doit pouvoir améliorer des trucs là. Pff, 90, c'est tout pété là. Capacité ça, des chargeurs. Mais attends. Temps de rechargement, c'est important ça. T'en as encore assez pour augmenter. Ah, la précision peut-être? Non, c'était le même endroit. Temps de rechargement, je crois que c'est un truc qui ressemble à la précision juste en dessous. Vitesse de visée. Et c'est trop cher. Ah, c'est. Ouais. C'est quoi après? Ouais, vitesse de recharge. Capacité de munitions, c'est cool. Puissance de feu, tu peux pas? Non. Ah merde, vas-y, ben capacité de munitions alors. Cadence de tir, c'est pas mal aussi quand t'es devant juste devant un zombie. C'est vrai. Et... Allez, et là, attends, t'es qu'un gros pauvre, donc okay. Tu vas juste rien faire. Attends, je vais le refaire parce que ça m'amuse. C'est hyper dangereux, mec. Faites pas ça chez vous, les enfants. Je vais faire ça de manière très sécurisée. Attention. Hop là. Hop là. Et c'était encore plus abusé de tout à l'heure. Là, ça va aller. Ça va aller. Alors. Encore 200 mètres. Putain, mais c'est loin. Ich. Ich. C'est dans cette maison. Oh, ça doit être cette maison là-bas. Hein. Qu'est-ce que font tous ces gens morts? Et putain, il y a des trucs à faire, ça donne envie, tu sais. Ouais, c'est en surbrillance là, mais tellement. Ouais. Toi déjà, tu vas donner tes grosses munitions là. Cartouche de fusil à pompe. Oh, ça donne envie d'avoir un fusil à pompe. Et ça se trouve. Ça se trouve, mec. Là-dedans. Oh, et t'as des fusibles. Ah, c'est nickel. Ah oui, j'en avais trouvé une arbalète. Oh, des moi. Carreaux électriques. Ouais, j'avais trouvé une arbalète. Stylé. Bon, alors par contre. Non, bah du coup, non. Ouais, okay. Il faut une arbalète, je crois. Oula. C'est quoi? Oh, c'est quoi ça? Oh, il est bizarre. Un homme glacé. C'est un zombie. Ah, il est trop maigre. C'est un zombie fumigène. Ah ouais, vous vous réveillez tous. Tu peux. Et tu cherches quand même, hein. Mm-hmm. Il t'a grave entendu. Tu sais que t'as une endurance de merde. C'est trop de capacité qu'il faut que t'améliores ça. En gros, je suis foutu quoi. Bah non, faut que tu tires maintenant. Et en visant très bien parce que t'as que 5 balles. Aïe! Oh, tu arrives toujours plus vite que. Ok, en visant très bien comme ça. Ah non, toi tu me fais flipper toi. Ah oui, là. Okay. Ouais, oh, t'as une patate! Genre la balle, tu t'en balances quoi. T'as plus de vie, t'as plus d'endurance. Mets-toi un kit! Voilà. Oh! Oh, cheater! Putain, il me sert à quoi sinon? Vite, va trouver une solution là. La petite fille, elle est là ou pas? Vite, rentre! Elle est pas là. C'est fermé! Attends. Ouvrez! Oh, trouve un moyen de te cacher. Et très vite. Ah, il y a un truc à faire. Avec ta radio. Quand il y a des ombres noires comme ça, c'est qu'il y a un truc à faire avec ta radio. C'est devant la porte d'entrée de la station essence. Mais d'abord, fais le tour, tranquillou. Enfin, pas de pression. L'équipe est au cas. Vas-y. Et prends ta radio et là, il y a des... Ah bah, c'est elle. Tu vas voir, ça va faire un truc. Soir. Qu'est-ce que. Waouh! Pas ma truc. Lily. Et c'est parti! Le parc Astérix est très fier de vous présenter cette nouvelle attraction Halloween! Tu es là? C'est papa! Où est-il passé? Ouais, petit bruit de merde. Alors on court. Oh. On est dans le bureau d'un gros monsieur. C'est moi. On est puni. Bon sang. Allez, calme-toi. Comment est-ce que je peux entrer là-dedans? Bonne question. Ouais, en réessayant. Je réessaye. Par le conduit d'aération de la cuisine vers l'extérieur. Car c'est un restaurant. Donc il y a
à l'extérieur un conduit d'aération. Tout ceci part de suppositions qui sont, somme toute, pas si... tu viens de voir qu'il y avait un duo, tu t'es dit, c'est peut-être pas con en fait. Attends. C'est quoi ça? C'est pour monter ça? On dirait grave une entrée pour pas passer. Ouais. Ouais, bon, non, d'accord. Bon, peut-être que ma théorie de tuyau extérieur est foireuse, mais je la sentais quand même vachement bien. C'est dommage quand même. Hé hey hmm. Ah, attends. Non. Tu veux prendre. Oui, tu veux prendre le contrôle? Voilà. Ah non, je croyais que c'était un. Tu veux guider mes pas? Et si tu me frôles? Elle a vu de moi. Ah. 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 On s'en fout de votre astuce, on veut la trouver nous-mêmes. On s'en fout. Donc c'est pour ça qu'on s'en branle en fait. Ouais, bon, une poupée, ça. Putain, les modos, vous bannez pas assez, vous bannez tellement mille fois plus sur mon chat à moi. Ici, vous pouvez vous défouler, putain. Je vois masse si débile. C'est... Je vois masse débile à ban, là. Oh, on est. Inside the view. Putain, on pouvait trop se manger des poignées de porte dans la tête quand on était petit, hein. Et mettre ses doigts dans les prises. Oh là. Attends, c'est juste hyper dangereux d'avoir une porte sur la clé mais d'avoir un conduit juste à côté hyper ouvert où on peut passer. Il n'y a aucune utilité en fait. Ah. Ouais, il y avait quelque chose. C'est pas si con. Elle est en danger. Quelqu'un la poursuit. Oui bah. De l'autre côté. Bien joué Sherlock, mais on va se mettre. Ah, des indices. Bah, mais on sait déjà où elle mène cette fenêtre. Elle mène vers l'extérieur, on l'a vu. Chercher des indices. Quoi des indices? Qu'est-ce qu'il veut? Mais vas-tu me laisser? Ouais, je te laisse jouer. Vas-y. Du ketchup et de la moutarde. Comme par hasard dans un fast-food. Mais non, je dois peut-être partir. Des indices. Mais non, j'ai juste envie d'aller dehors et de regarder. Oh, ça pue le zombie. Ouais, y a un truc là. Il est à l'extérieur. Ouais. J'entends un truc chelou. Oh bah putain, la discrétion elle est comme ça. Attends, mais je croyais qu'il y avait un truc à prendre. Ah non, c'est bon. Oh, c'est bizarre, je l'entendais juste à côté. Moi aussi. Et là, il y a Lily dans un sac poubelle. Ah, ton il y a sa tête. Je déteste les sacs poubelles. Il me rend malade. Que... Une carte. Ah, c'est toi qui l'as ouvert. Non, non, j'ai rien fait du tout. Ah bon? Parce que le casque suivi d'un truc, c'était bizarre. Accroche-toi. 190 mètres. J'arrive. Un gros sprint. Quoi? Oh, c'est quoi ça? C'est un tigre? Un tigre du Bengale. Il y arrive d'où? Ah, non, non, non. Ah. Oh là, c'est quoi cette merde? Attention à ta gauche! Oh! Ouh! Vas-y, toi joue! Je peux pas viser! Pourquoi jouer? J'ai une balle! Pourquoi jouer? Pourquoi jouer quand on a. Ah, j'ai plus de balles! C'est foutu! C'est foutu! Furieux, ce truc là. C'est foutu! T'as pas une hache ou un couteau? Comment je prends ma hache? Ah ouais, tiens, je vais le niquer à la hache. Pouaf! Ah, petit problème de timing. Termine-le! Donne-moi ton gel et ton ami aura le même traitement. Ah, tu m'as presque tué, mais ah non, recule pas, reviens, non, reviens. T'as plus de vie. J'ai plus de vie, mais en même temps j'ai plus d'endurance, je suis obligé de le tuer. Il donne-moi un QTE. Déguster avec un haut QTE. Oh. Putain, pourquoi t'es pas un QTE? Rah, j'avais pas du tout assez de vie, mais en même temps j'avais plus d'endurance. Là, il m'aurait obligatoirement. Il faut absolument aller voir l'infirmière pour augmenter l'endurance. Yep. Parce que là c'est... Non, même moi j'ai plus de cardio que ça et Dieu sait que je suis pas sportif.
C'est vrai qu'il est gros Il. et lent. Comment on peut y retourner rapidement ou pas? C'est une bonne question. Il y a Parce une que là, astuce, je pense. Parce que là, mine de rien, je vais pas faut me un mettre miroir, avec. Je crois. Faut un miroir. Bah là, y a pas de miroir, par exemple. Là, tu reprends ton flingue, t'as de quoi avoir des mis. Ils m'ont vu? Ah non. Et si je vais là? Bonne chance. Il y a une porte qui s'est fermée, dommage. Merci. Si vous entrez, je vous tire dessus. Oh, attends, sortir comme ça. J'ai une bouteille. Vas-y. Viens là-bas, voilà. Ça vous révolte pas, ça? Faire un grand trade sur les gens qui balancent des bouteilles dans la rue comme ça. Eux, ils s'en foutent. Bon, c'est bon, t'es tranquille, tu peux y aller en courant. La lumière plein phare. Il y en a plein hop, en bas. Parti. Oh là, il y a le chien. Oui, à droite, attends, là, à droite. Là, là, là. Ah oui. Il va pas vers lui en fait, t'es en train d'aller vers ah lui. Oui, je sais, mais il y a lui à gauche et lui à droite. Est-ce que tu veux que j'aille au milieu? Oui. Ok. Ça me paraît pas si naturel que ça, mais. Elle est où, Lily? Tu es. Chaque fois, je lui réponds pas. Ta gueule. Ta gueule, je suis occupé, y'a les chiens. Attention, bro! Ah! Fuck, bro! C'est béni! You do this! Mais meurs! Mais t'es mec, sérieux? C'est sûr et certain que eux ils ont une vie de bâtard. Lui il a une épée enflammée, cherche pas, il est niveau 14. Non, il a des shurikens sacrés là. C'est bon, on se casse. Oh, une bouteille! C'est bon ça! Ratatata! Ah, c'était dans la zone là. Cherche, tu dois avoir accès à une ombre noire. T'avertis pas tes potes, je te tue mais t'avertis pas tes potes. Comment il était énervé. Oh. Ok, c'était ça le. Tu l'as vu quand tu l'as tiré dessus, il s'arrête. Il a reçu avec une crampe d'estomac en mode. Il a fait. T'es sérieux? Oh. Bah. Ok, si ça fait ça, c'est que c'est pas normal. Donc, clairement. N'ouvre pas la portière. Refais-le. Ouvre le coffre. Non, je peux pas. Tu peux pas? Ok. À gauche, c'est un truc à récupérer. Est-ce que c'était genre un bug? Ou... C'est quand même vachement bizarre comme bug, une voiture qui se secoue. Ah, ça se casse ça. Oh oui. Aucune notion des distances. T'as récupéré le sac aussi? Le? Je sais pas, il y avait un petit sac. Voilà. Un petit sac? La poudre à fumer! Bah. C'est vraiment plus très loin normalement. Ouais, 15 mètres. Non, t'inquiète, ça c'est des signaux. Wouah, ça fait pousser des. Des grandes tiges de Marie-Jeanne! Des grands pieds dans le jardin! Stylé! J'arrive, Lily. Lily. Lily, ça va pas. Tu t'es caché dans les fougères, Lily? Ah! Salut, Lily! Ah! Salut, Lily! On va réessayer. La pêche, la banane? C'est la chanson du dimanche! La pêche! La pêche! Bah oui, t'es allé dans les fougères. Eh bah oui, qui c'est qui s'amuse? Pardi. Heureusement qu'elle avait marché dans la merde. Sinon, on l'aurait jamais retrouvé. Ah. Du sang. Elle s'est pris la porte en pleine face. J'espère que ce n'est pas celui de Lily. Tu vois les, tu vois les pas qui repartent par là. Qui te tube. Elle est con.
Bah, n'ouvre pas ta carte. On va faire V. C'est pas moi. Ah, d'accord. C'est des bâtards de te mettre dans une situation pareille en t'ouvrant la carte. Des gros cons. Il m'a peut-être vu. Ouais. Ah, bah là, ils sont bons sang. Vite, tombé en moyen. Tranche là. Vite, tranche. Si tu passes derrière moi, t'es tranché. Ah, bah c'est le même que tout à l'heure, fiché. Ouais, c'est. Mais au moins, t'es tranquille. Ouais. Ah. 90 mètres. Ah. Oui. Tu l'as localisé ou pas? Localise là. Ouais. 90 mètres. Non, mais genre avec la touche R. Pour garder l'objectif. Non. Mais il est juste devant quand même. Non, non, non. Ah, quoi, attends, c'est moi, t'as pas vu, tu peux le tuer. Discrètement, normalement. Doucement, ma belle. Ah, la casse-couille. Ouais, 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 mais les plantes elles sont malades. Pierre Martinet, le traiteur intraitable. En fait, si t'as rien à dire, ferme ta gueule. Pourquoi tu m'appelles si tu dis rien? Eh, t'es sérieuse? Le gel. Oh, allez, bon. Oh, tant pis le gel. Désolé. Yamete. Ah. Yamete kudasai. Bon, oh, putain, je faisais un mash R, du coup ça faisait n'importe quoi. Hop, on la poursuit là. Et après avec les fougères. Hein. Oh, pardon. Oui. Oh, Dieu merci. Dieu merci, elle a marché dans la merde. Donc le jeu c'est Heavy Rain en fait. Un peu. C'est un mix. J'adore les plantes. C'est un shaker de plein de références. Plein de saveurs. On dirait qu'elle s'est cachée ici. Bah elle est con. Parce qu'on la voit. Allez hop, dégage. Et là elle est tombée dans une bouche d'égout. J'aurais trop vu qu'elle se prenne le pied dans le truc là et qu'elle tombe par terre. Oh non, putain. Ah bah c'était là où on était non? Ouais. Donc on sait déjà où ce qu'il faut faire et c'est déjà prêt. C'est déjà ouvert. Nickel mec, y'a rien à faire. Putain c'est beau ça. On l'a pas fait tout ça pour rien finalement. C'est bon ça. C'est bon ça. A droite, connard. Non mais je sais, je regarde juste s'il y a des zombies. En plus c'est moi le connard parce que je croyais que c'était vraiment à droite. Première porte à droite. Ah cette fois-ci c'est pas vide. Et je te parie que... c'est ça que j'avais parié. Le truc, la planche à droite. Allez, maintenant... Lily, ça venait d'en haut. Lily, c'est fermé. Il y a un script qui va se déclencher à ta droite. Hop. Wow. Il est plus intelligent que tout à l'heure. Il a dû se faufiler là-dedans. Mais j'aurais juste qu'à retirer cette planche. Ah, j'aurais dû y penser plus tôt. J'ai eu le temps d'y réfléchir pendant une heure et je pense que je vais faire ça. Elle va s'en sortir. Oh, c'est la main de Lily. Simplement la trouver. Oh, la jambe de Lily. Oh merde. Tout n'est pas perdu. Ou il avance ou il... Non, il n'avance pas. Si t'avances et qu'il recule... Comment veux-tu? Ta lampe torche là, putain. Ah, il a disparu. C'est un homme qui mange des membres. Un peu comme tous les zombies. Un peu bête comme réflexion. Et t'as pas vu, il est juste énervé, Il t'entend, mais t'as pas vu. Il est aveugle. Il a une hache dans la main, c'est-à-dire qu'il est très très violent. Écoute, je vais mettre un shot. Ok, mets le bon alors. Et le bon. Ok, un seul ne suffit pas. Arrête. Encore. Le dernier c'était pour lui dire que c'est que j'arrêterai pas. Je n'ai plus de balles. Balles. Si j'en ai 5 ouais, mais 5 c'est pas là dedans. Ok. Oui.
Faudrait trouver du gaffeur. J'adore le gaffeur. Ah, un atelier. Oh, avec quoi? Des pièces détachées supérieures. Ok, n'essaie pas à faire le mec, voilà. Apparemment tu sais que tu en as besoin, donc vas-y. Oh waouh, je vais en faire 6, ça va, je vais aller loin avec ça. Je sors un que médical, vas-y fais-en aussi. Ça, oh, oui, ça par contre on y va au max. Trousse de sous, pareil. Voilà. Oh, on est au max. 40 pièces détachées, toujours la pauvreté infinie. Exactement. Va chier. Dans le café. Connard. Ça fait plaisir. Et ça c'est quoi ça? Carreau électrique. Oh, carreau électrique, oui, mais t'as pas l'arbalète. Donc Et ça? Une autre poupée. Mais où est Lily? Poupée. Une autre poupée. Elle fait mal la poupée. La vache. Wow. Elle a défoncé. Il est en souffrance. Je suis dans le plus grand des mâles. Putain, elle est où ma poupée? Je suis au fond. Je lui ai gâché. Ah, c'est photographe, je crois. Ouais, on dirait bien. Oh, c'est le Joker, on sait rien. Okay, c'est aussi Life is Strange, ok. Très bien. Très bien, bah j'ai compris. J'ai compris, c'est tous les jeux du monde. Bon. Mais si Nico Bellic arrive, je m'étonnerais. Oh. Mais c'est un rat. Ah merde, le son est décalé, on du coup on a pas eu peur. Du tout. Putain. Le tueur aux photos. Aux photos. Ma petite fille. Putain, j'y étais presque. Bordel de merde. Du calme. Réfléchis. Il faut que je la sauve. Mon communicateur ne capte plus rien. Il faut que je trouve un autre moyen. O'Neill. Sur le bureau, il y a un truc. Si je peux lui faire confiance. Mais il veut partir d'ici autant que je peux. Oh, il y a grave un truc, putain, il a failli louper ça, connard, puis je vois rien d'aveugle. O'Neill, c'est Sébastien. Ça. Putain, ce qu'il a fait. Il a répondu à son fusil à pompe. Allô? Allô? Le mec a pas compris que c'est un fusil. Ah, c'était génial. C'était très très drôle. Allo? Mais qu'est-ce son fusil? Allo? Ah, j'ai hâte que tu mettes un gros coup de fusil à pompe là. Waouh. Non, tu vas plus vite la prochaine fois, s'il te plaît. Ni une ni deux. J'attrape mon fusil. Attends, attends. Par la porte, non? Non, ça se déclenche comme ça? Ça, c'est un bug dans la Nilus. Hein. Ah, une interférence. Maintenant, non, reprendons ton fusil à pompe. Hein. À mon avis, on va te mettre un truc dans le cul, mais direct. Pourquoi? Il y a une interférence ici. Non, je pense qu'elles sont scriptées. Voilà. Il le range tout le temps ce con quand je cours. Il a un petit mouvement de recul. Attends. Attends, qu'est-ce que c'est? Bah. Bah alors. Bah on connaît hein. On connaît la chanson moi. Putain. Même dans un monde surnaturel, il est toujours obèse. Souris pour moi. Ah. Ah putain mec, c'était sur le mur quand on a fait l'event. Mais où est Lily? C'est vrai. Je peux pas le laisser. C'est vrai, putain, c'est vrai. J'ai envie de te tirer dessus, mais oh, je sais que ça sert à rien. Ne fais pas, c'est un script. Par contre, je peux te rattraper. Attention. Attention, je vais te rattraper. Oh, t'as vu, il s'est enfui. Putain, tu fais chier, arrête. Hey, toi. La fille. Où est-elle? La fille, elle a un prénom. Et elle n'est pas genrée. Ah non, il fait bouillir le sol. Et bah, oh ça non, tombe bien, ça. J'ai un fusil. Ouais, ça vous. Donc, merde. Prends-le. Ah! Oh là, vas-y, et l'autre, tu te concentres. Oui! Aïe!
La pouliche. Ah, laissez-moi. Putain, bordel de... Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh non. Hein. Prends ton fusil. Prends. Hey. Oh non, mais non, mais non, merde, c'est bon. La fille. Où est-elle? Oui, bon. C'est, on peut passer, très bien. Oh, faites chauffer à 300 degrés le bitume pour faire apparaître les monstres à trois têtes. Voilà les filles, c'est tout pour votre petite recette. Merde. Concentre-toi. De toute façon, ils t'ont vu là. Oui, là c'est très bien. Lequel? À gauche. Hop, oh, hop. Oh. Et c'est bien aussi. Je commence à m'emmerder. Mais ils sont combien? Merde aussi! Faut que tu te mettes de la vie là! Oh, t'aurais dû les brûler! Oh, j'ai pas envie de leur faire! Moi, tu sais que je suis très fatigué, je peux pas manger. Oui, on avait dit live court, on va... de toute façon, on va probablement arrêter maintenant. Je voulais juste tirer avec ce fusil à pompe, j'avais prévu de partir. Attends. Après. Un dernier essai, t'essaies de les brûler en relâchant le tonneau. Ouais, vas-y, on fait ça. Souris pour lui, ensuite on y va. La tête. Mais non, ils en ont trois. Comment veux-tu que je fasse? Tire-lui dans les têtes. Il est où le tonneau? Il est... près du camion, il me semble. Hey. Ah oui, il est loin quand même. Toi. La fille. La fille. C'est une voix très grave. Cherchons donc un tonneau. Merde. Il y a de l'essence à droite du moins. On est, t'es parti à droite. On va voir là, voilà, ça c'est du pétrole. Là tu tires maintenant vite. Bam. Smart guy. Ultra lourd. Mourez chien. Cher, les trois. Les trois sont crevés. Vous êtes... Ah, toi tu... Toi, t'as dit non. On dirait que c'est juste des billes qui tirent. Ouais, il est pas très impressionnant comme... Non. Comme fusil à pompe. Ah non, je fais chier, je l'ai encore perdu. J'espère que je pourrai avoir en île cette fois. Allez, on s'arrête là du coup. Ouais. On va montrer de quoi on est capable. Sur le téléphone. Sébastien. Ouais. Réponds avec ton fusil à pompe. Ouais, je voulais dire, ok. Tremblement de terre. Comme pas normal. Ah voilà, oh, vous voyez, un moment casse-couille, et ben on s'en va. Ça tombe très bien. Oh puis y'en a, s'ils peuvent commencer à apparaître comme ça, c'est plus du jeu. Hein. Y'a un couteau qui se... Tu l'as vu? Non. Y'avait un couteau fantôme. Envoyez un petit clip s'il vous plaît maintenant pour que Terra le voit vite. C'était très très drôle. Attends mais je vois le replay, je vois c'était, le replay. C'était du même genre que le... que le putain de... de pompe téléphone. Petits amis, alors si, ouais, hein, on, si on part si tôt, c'est pas pour rien. J'ai dormi 3 heures. Toi, pas beaucoup plus. Yep. Ça fait très tôt pour un tournage aujourd'hui. Qui a duré toute la journée. Voilà. On a fait un très long tournage aussi hier soir pour vous. Oui, un très. Qui a terminé à 3 heures du matin quand même. Qui a commencé à 21 heures. Pour vous. Vraiment. Et donc, c'est pour vous rendre heureux. Maintenant. Voilà, parce que nous, on n'a pas de week-end. Mais on n'a pas non plus de semaine. Donc, finalement, bon, niquez-vous. Bah, du coup, à bientôt, à mercredi. Et à mercredi. Et des bisous. C'est une excellente soirée. Profitez de votre famille tant que vous le pouvez encore. On peut pas dire qu'on n'est pas d'accord. Hein. Allez, bisous. Bisous, au revoir. Bonne nuit, Thomas. Bonne nuit, Damien.